Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Rejoignez la tour de prière Summer avec la prophétesse Frida Manzioni et le pasteur Bienvenue Manzioni. Tous les mardis et jeudis de 22h à 23h au 09 72 61 93 80. Code d'accès 1077. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Nous allons commencer notre prière de ce matin. Même si nous ne sommes pas en direct, j'ai foi et je crois que vous allez vous connecter de la même manière que vous le faites quand nous sommes en direct. Amen. On a un petit problème technique, alors nous sommes obligés de faire avec les moyens de bord. Nous ne voulons pas laisser la place à l'ennemi de se réjouir ou de laisser le programme, d'attendre que le problème puisse s'arranger. Non, nous contournons le problème et nous enregistrons donc la prière et nous la mettons sur YouTube tous les matins. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Je salue nos frères et sœurs de la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, des États-Unis, tous ceux qui nous suivent, alléluia, de l'île Maurice, de la République Dominicaine, toutes les personnes qui suivent la tour de prière Summer, que le Seigneur vous bénisse, alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis, soyez énormément bénis. Alléluia. Nous allons commencer notre prière. Shalom, shalom, shalom. J'ai la foi, alléluia. J'ai la foi que nous serons autant nombreux comme quand on le fait d'habitude, que vous tous, vous allez suivre cette vidéo et que vous allez vraiment participer à la prière sérieusement. Alléluia. Que vous allez commenter, vous allez donner votre offrande, vous allez faire comme on fait d'habitude. Alléluia. N'attendez pas seulement que nous soyons en direct pour que vous puissiez vous manifester. Ah, la prophétesse m'a vu. Non, c'est pas pour moi, c'est pour le Seigneur. Je sais que vous êtes des passionnés de Christ, des passionnés de Dieu et que vous allez prier ensemble avec moi pendant ce temps de prière. Alléluia. Merci Seigneur, nous allons commencer notre prière. Merci Jésus. Tendre Père, nous bénissons ton nom Seigneur. Merci pour ce temps de prière que tu nous accordes encore dans ta présence. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Que tu puisses bénir Seigneur chaque personne qui va regarder cette vidéo. Que tu puisses bénir Seigneur chaque personne qui prie avec moi Seigneur maintenant à travers cette vidéo éternellement Dieu. Saint-Esprit, nous te laissons la place que tu puisses conduire ce temps de prière. Que ce qui est de l'homme puisse disparaître, mais que tout soit inspiré de toi et par toi. Saint-Esprit, nous ne voulons rien faire sans toi. Nous voulons que tu sois avec nous, que tu pries avec nous, que tu puisses nous inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons prier pour la faim et la soif de Dieu. La faim et la soif de Dieu. Si tu peux écrire après moi, la faim et la soif de Dieu. La faim et la soif de Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire un verset. Nous allons lire dans Proverbe 27, Proverbe 27 à partir du verset 7. Il est écrit, « Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui est affamé trouve doux tout ce qui est amer. » Alléluia. Je répète encore pour une personne. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui est affamé trouve doux tout ce qui est amer. Alléluia. Ici, Salomon tire une sagesse. Alléluia. Il nous dit que celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. Quand tu es rassasié, quand tu as trop reçu, quand tu as trop d'argent, quand tu as trop, tu n'as plus besoin de rien. Alléluia. Tu n'as plus besoin de rien. Tu vas fouler aux pieds ce qu'on peut te donner de bien. Si tu es rassasié, en te donnant de la nourriture, tu vas dire non, je n'ai pas faim. En fait, ça te dira absolument rien. Pourquoi? Parce que tu es déjà rassasié. Ton ventre est déjà plein. Mais il dit, mais celui qui est affamé trouve doux tout ce qui est amer. Alléluia. Bien-aimé, nous devons être des affamés de Christ. Nous devons être des personnes en fait affamées, assoiffées de Christ pour qu'il
pour qu'il puisse constamment nous remplir. Ici, celui qui est affamé trouve doux tout ce qui est amer. Alléluia. La parole de Dieu, même quand ça sera dur, tu vas la mettre en pratique. Quand tu as faim et soif de Christ, tu vas mettre en pratique ses commandements. Tu vas marcher dans la sanctification. Tu vas tout faire, même quand tu as l'impression que c'est difficile. Tu vas quand même accepter. Même quand tu vois que c'est amer, ça fait mal. Mais tu vas avaler ce rouleau qui sera amer. Alléluia. Tu vas l'avaler. Pourquoi? Parce que tu aimes le Seigneur. Parce que tu es un assoiffé du Seigneur. Parce que tu es un affamé de la justice de Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous voulons prier pour que nous puissions avoir la faim et la soif de Dieu. Lui dire, Seigneur, nous avons faim de toi. Seigneur, nous avons soif de toi. Bien-aimés, nous sommes dans une génération aujourd'hui qui a faim des bénédictions, qui a faim de la main de Dieu, mais qui n'a pas faim de Christ, qui n'a pas faim de la justice de Dieu, qui n'a pas faim du royaume de Dieu. Or, la Bible nous dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. En fait, quand tu cherches le royaume et la justice, le reste t'est donné par-dessus. Dès que tu vas seulement penser à quelque chose, le ciel va te donner. Pourquoi? Parce que tu cherches d'abord le royaume. Alléluia. Et tu vas voir que le ciel va te donner ce qui va te manquer. Le ciel va te donner tout ce que tu auras besoin. Dès que tu vas penser à quelque chose, on va te le donner. Alléluia. Nous devons être des assoiffés et des affamés de la justice de Dieu. Je le relis encore. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. Mais celui qui est affamé trouve doux tout ce qui est amer. Nous voulons être des affamés. Alléluia. Nous voulons être des personnes qui ont toujours faim. Qui ont toujours faim et soif de la justice. Nous voulons être de ceux qui cherchent toujours. Qui cherchent la justice de Dieu. Alléluia. De ceux qui cherchent. De ceux qui sont des insatisfaits de Christ, qui sont toujours en train de le chercher, qui sont toujours en train de le chercher. Des personnes qui sont à chaque fois vides, qui sont toujours pauvres en esprit et qui vont toujours chercher. Alléluia. Car la Bible dit, heureux les pauvres en esprit. Alléluia. Car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Nous allons lire aussi un verset. Nous allons lire un autre verset dans Matthieu 5, verset 6. Matthieu 5, verset 6, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Quand il donnait les béatitudes, il parle, il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Bien-aimé, tu veux être rassasié ce matin, et faim et soif de la justice. Tu veux être rassasié, et faim et soif de Christ. Tu veux être rassasié, et faim et soif de la justice. Alléluia. Et il dit aussi, dans Ésaïe 55, au verset 1 à 3, c'est Dieu qui parle à travers le prophète Ésaïe. Il dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. » Alléluia. Le Seigneur veut que tu viennes acheter sans argent. Le Seigneur veut que tu viennes acheter sans rien payer. Vous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Alléluia. Oui, ce matin, nous voulons aller aux eaux. Ce matin, nous voulons aller boire de cette eau. Ce matin, nous voulons être remplis de l'eau de vie. Ce matin, nous voulons être remplis du pain de vie. Alléluia. Ce matin, nous voulons prier. Nous voulons prier pour dire, Seigneur, nous avons soif de toi. Seigneur, nous avons faim de toi. Seigneur, nous sommes désireux de toi. Seigneur, nous voulons ta vie. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, prendre toute la place dans nos vies. Nous sommes des éternels insatisfaits. Alléluia. Nous ne sommes pas satisfaits à la dimension où nous sommes. Notre dimension est ordinaire. Mais nous voulons, Seigneur, que tu nous emmènes dans l'extraordinaire divin. Nous voulons que tu puisses nous emmener dans l'extraordinaire divin. Alléluia. Ce matin, nous disons, Seigneur, nous avons faim et soif de toi. Nous sommes, Seigneur, de gloire, passionnés de toi. Nous sommes assoiffés de toi. Nous sommes insatisfaits de toi. Alléluia. Nous sommes de ceux qui sont miséreux. Donc nous voulons vraiment, Seigneur, que tu puisses nous remplir. Alléluia. Que tu puisses nous remplir. Et ce matin, nous allons prier pour que cette soif, que cette faim, dire au Seigneur, Seigneur, nous avons faim, nous avons soif de toi. Viens nous rassasier, viens nous remplir. Alléluia. Nous allons commencer notre prière, bien-aimés. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia.
Bien-aimé, là où tu es, tu vas remercier le Seigneur. Tu vas lui dire merci pour le souffle de vie qu'il a renouvelé dans ta vie. Tu vas dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il t'a donnée encore ce matin d'être en vie. Assurément, si le Seigneur a permis que tu puisses être en vie ce matin, c'est tout simplement parce qu'il veut encore et encore te remplir. Parce qu'il veut encore et encore se servir de toi. Parce qu'il veut encore et encore te remplir. Alléluia. Enlever ta soif. Enlever ta faim. Alléluia. Tu vas prier ce matin. Remercie le Seigneur pour le souffle de vie. Et tu vas encore lui dire merci, car il est le pain de vie. Merci, car il est l'eau de vie. Tu vas lui dire merci pour tout ce qu'il est pour toi. Prions le Seigneur ce matin. Alléluia. Oui Seigneur, ce matin nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé dans nos vies. Merci Seigneur car nous croyons que si nous vivons c'est parce que toi tu le veux. Si nous sommes encore en vie et que nous sommes encore comptés parmi les vivants, c'est parce que Seigneur tu veux encore nous remplir ce matin. Parce que tu veux encore nous nourrir ce jour. Nous te bénissons. Quelle grâce Seigneur, alors que beaucoup Seigneur ne se sont pas réveillés, alors que beaucoup n'ont pas pu voir ce jour, mais toi tu nous accordes la grâce d'être en vie, toi tu nous accordes la grâce Seigneur de dire Alléluia ce matin, toi tu nous accordes la grâce Seigneur de dire Hosanna, Hosanna l'agneau de Dieu, Hosanna au roi de gloire, Hosanna à celui qui est, qui était et qui vient. Oui Seigneur, nous te disons merci ce matin, nous te disons merci, merci Seigneur, car tu es celui Seigneur qui fait en nous le vouloir et le faire. Merci car tu es celui Seigneur qui nous donne la vie. Merci car tu es celui Seigneur qui nous bénit. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Sois béni, sois loué, sois magnifié, sois exalté. Qui est comme toi Seigneur? Qui est grand comme toi? Nous te bénissons ce matin. Nous te magnifions ce matin. Nous exaltons ton nom ce matin. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus ce matin. Toi qui as voulu, Seigneur, par ta grâce, par ta bonté, Seigneur, nous réveiller. La Bible nous dit, non, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Non, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. La Bible me dit encore, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Merci, Seigneur, car tu as renouvelé tes compassions pour nous ce matin. Tu as renouvelé tes compassions pour nos familles ce matin. Tu as renouvelé tes compassions, Seigneur, pour nos enfants ce matin. Tu as renouvelé tes compassions pour notre pays ce matin. Tu as renouvelé tes compassions pour notre ville ce matin. Nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions. Quelle grâce, quelle joie de nous retrouver devant le trône de la grâce. Quelle grâce, quelle joie de nous retrouver devant toi, car tu es Dieu. Béni soit ton nom, exalté soit ton nom. Tu es le roi, le Seigneur des seigneurs, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans le psaume 107 au verset 9, il est écrit, David dit, car il satisfait l'âme altérée. Alléluia. Car il satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Alléluia. Christ satisfait l'âme altérée. Ce matin, quelle est ta position? Et une position d'une âme altérée, d'une âme qui a besoin, d'une personne qui est désespérée devant Dieu, qui est vide pour que le Seigneur puisse la remplir. Alléluia. Car il satisfait l'âme altérée. Tu vas dire ce matin, Seigneur, j'ai l'âme altérée. Seigneur, satisfais-moi ce matin. Seigneur, satisfais-moi ce matin. Il dit encore, il a comblé de bien l'âme affamée. Tu vas lui dire, Seigneur, comble-moi de bien ce matin. Comble-moi de bien ce matin, car je suis affamé. Car je suis affamé. Je suis affamé de toi. Je suis affamé, Seigneur. Comble-moi de bien. Prions le Seigneur ce matin. Alléluia. Oui, Seigneur, je viens devant toi ce matin. Je viens devant toi ce matin. Oui Seigneur, c'est toi qui satisfais l'âme altérée, c'est toi qui satisfais l'âme altérée. Oui Seigneur, là où mon âme est altérée, c'est toi ma satisfaction. Sois ma satisfaction encore Seigneur ce matin, sois ma satisfaction encore ce jour. Je ne veux pas me satisfaire Seigneur dans les mains des hommes, je ne veux pas me satisfaire Seigneur dans l'argent des hommes, je ne veux pas me satisfaire dans le regard des hommes, je ne veux pas me satisfaire dans ce que l'homme veut me donner, je ne veux pas me satisfaire dans ce que Seigneur les hommes peuvent Seigneur me donner, car il me donne aujourd'hui, ils me le redemanderont demain. Oui Seigneur, je veux me satisfaire en toi. Oui Père, satisfais mon âme, satisfais mon âme, satisfais mon âme, satisfais
satisfait mon âme. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est toi qui comble de bien l'âme affamée. Oh Seigneur, comble de bien une personne ce matin. Une personne qui est affamée. Une personne qui est affamée de toi. Une personne qui est perdue. Une personne qui est désorientée. Seigneur, que tu puisses combler de bien. Que tu puisses combler de bien l'âme affamée. Affamée de guérison. Qui est dans la maladie. Seigneur, que tu donnes la guérison. Cette âme, Seigneur, qui est dans l'amertume. Que tu puisses restaurer son âme. Que tu puisses restaurer cette âme. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Je te prie ce matin. Satisfais mon âme ce matin. Satisfais mon âme ce matin. Car mon âme est altérée. Mon âme a soif de toi. Je dis comme David. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Ce matin, je dis. Mon âme a soif de toi. Mon âme a faim de toi. Oui, Seigneur. Viens me remplir. Viens me combler. Viens combler mon âme de tes biens. Viens combler mon âme de tes consolations. Viens combler mon âme, Seigneur. Trop de pleurs dans ma vie. Trop de pleurs dans ma vie. Viens me rassasier. Me rassasier, Seigneur. Rassasie mon âme de tes biens. Comble mon âme de tes biens. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Satisfais, Seigneur, mon âme. Satisfais mon âme. Satisfais mon âme. Oh, Seigneur. Là où les hommes se moquent. Là où les hommes insultent. Là où les hommes, Seigneur, rigolent de moi. Là où les hommes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, me pointent du doigt. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens satisfaire mon âme. Car tu es ma seule satisfaction. Tu es ma seule satisfaction. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Dans la vie d'une personne maintenant, que tu puisses satisfaire son âme. Cette âme qui est altérée, cette âme qui est touchée, cette âme, Seigneur, qui ne sait plus quoi faire, cette âme qui est perdue, cette âme qui a connu la trahison, cette âme qui a connu le rejet, cette âme qui a connu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, le rejet, rejet de son mari, rejet de sa famille, rejet de ses amis. Oh Seigneur, viens satisfaire l'âme altérée, viens satisfaire l'âme altérée, viens satisfaire l'âme qui a soif de toi, viens satisfaire l'âme qui a faim de toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, lève-toi Seigneur, lève-toi Seigneur, lève-toi Seigneur, agis ce matin, agis ce matin, agis ce matin, viens Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Oui Seigneur, nous avons soif de toi ce matin, nous avons faim de toi ce matin, viens nous remplir, viens nous rassasier, viens nous changer, viens nous transformer, viens nous challenger, viens nous étirer, viens changer notre manière de voir les choses, viens changer notre manière de comprendre les choses. Seigneur, viens transformer le cœur d'une personne, viens transformer la vie d'une personne ce matin. Oui Seigneur, change notre manière de voir les choses, change Seigneur notre manière de comprendre les choses, change notre manière Seigneur de te servir. Oh Seigneur, viens nous remplir ce matin, viens nous remplir ce matin. Oh, nous sommes Seigneur faibles, nous sommes vides, nous sommes incapables, nous sommes Seigneur insatisfaits. Viens Seigneur nous remplir, viens nous remplir. Viens nous remplir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Viens nous remplir, Seigneur. Viens nous changer, Seigneur. Viens nous challenger, Seigneur. Viens, Père éternel. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus. Viens remplir mon âme. Viens remplir mon âme. Viens remplir mon âme de tes consolations. Là où il y a les pleurs dans ma vie, viens remplir mon âme de consolation. Là où il y a la maladie dans mon corps, viens remplir mon âme de ta guérison. Viens remplir mon âme, Seigneur. Là où il y a l'amertume, viens remplir mon âme de ta guérison. Guéris, Seigneur, mon âme. Guéris mon âme intérieure. Guéris-moi des blessures intérieures. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens me remplir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare dans Proverbe 21 au verset 21, il est écrit: celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Alléluia. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, je veux trouver en toi la vie, la justice et la gloire. Oui Seigneur, car je poursuis la justice et la bonté, car je poursuis ton royaume, car je poursuis Seigneur ta justice, je poursuis ta justice ce matin Seigneur, fais-moi trouver la vie, fais-moi trouver la justice, fais-moi trouver la gloire, alléluia. Bien-aimé, là où tu as des problèmes, j'aimerais te dire ce matin que la Bible dit, celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire.
Alléluia. Quand tu poursuis le royaume, tu vas trouver la vie. Quand tu poursuis le royaume, tu vas trouver la justice de Dieu. Quand tu poursuis le royaume, tu vas trouver la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, ce matin, tu vas dire au Seigneur, ouvre devant moi en cette journée les portes de la gloire. Ouvre devant moi en cette journée les portes de la justice. Alléluia. Que les portes de la gloire, que les portes de la justice puissent s'ouvrir devant toi. Alléluia. Là où, bien-aimé, tu as été écrasé. Là où, bien-aimé, tu as été dénigré. Là où, bien-aimé, tu as été rejeté. Bien-aimé, que tu puisses dire, Seigneur, ouvre pour moi les portes de la gloire. Alléluia. La Bible dit que de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Alléluia. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Alléluia. Et c'est pour cela que tu vas dire ce matin, Seigneur, qu'en cette journée, les portes de la justice s'ouvrent pour moi. Là où, bien-aimé, tu vis l'injustice, que les portes de la justice s'ouvrent pour toi ce matin au nom de Jésus. Là où tu vis l'injustice, que les portes de la justice s'ouvrent pour toi ce matin au nom de Jésus. Dis Amen, Alléluia. Que les portes de la gloire s'ouvrent pour toi ce matin. Là où tu subis le dénigrement injuste, là où tu subis les insultes injustes, là où tu subis le rejet injuste, là où tu subis des choses qui te déshonorent, là où on te déshonore, Alléluia. Tu vas dire ce matin, Seigneur, que les portes de la justice s'ouvrent pour moi, que les portes de la gloire s'ouvrent pour moi ce matin dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur, Alléluia. Alléluia. Au Seigneur, nous prions ce matin. Nous prions car la Bible déclare que celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Seigneur, nous prions ce matin que tu puisses ouvrir devant nous les portes de la justice. Je prie que tu ouvres les portes de la justice dans nos vies, dans la vie d'une personne ce matin, une personne qui vit l'injustice, une injustice terriblement injuste. Que tu puisses ouvrir les portes, Seigneur, ce matin. Ouvre les portes dans la vie d'une personne, Seigneur, qui est dénigrée à tout bout de champ. Qui est dénigré, Seigneur, ouvre les portes de la justice et que tu fasses justice, car tu es Jéhovah Tsikenou. Lève-toi, Seigneur, ouvre les portes de la justice en cette journée. Seigneur, je te prie que les portes de la gloire s'ouvrent dans la vie d'une personne, une personne déshonorée, une personne, Seigneur, fatiguée, une personne rejetée, une personne, Seigneur, qui subit des choses injustes, des choses, Seigneur, à cause de la méchanceté de l'homme. Que tu puisses ouvrir les portes de la gloire, oui, Seigneur, car elle se met à part ce matin pour chercher, Seigneur, pour chercher ta justice. Nous te disons ce matin que nous avons faim et soif de toi. Remplis-nous, Seigneur, et que tu puisses ouvrir devant nous les portes de la justice, et que tu puisses ouvrir devant nous les portes de la gloire, dans le nom de Jésus. Que les portes de la justice s'ouvrent pour une personne ce matin. Que les portes de la justice s'ouvrent pour une personne ce matin. Que les portes de la justice s'ouvrent pour une personne ce matin. Et que les portes de la gloire s'ouvrent pour une personne ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lève-toi, Seigneur, et agis. Lève-toi, Seigneur, et agis contre l'oppression. Une personne qui est oppressée par les esprits mauvais, par les esprits méchants, par la sorcellerie. Seigneur, lève-toi et que les portes de la justice s'ouvrent ce matin. Et que, Seigneur, tu puisses lui rendre justice. Et que, Seigneur, tu puisses lui rendre justice dans le nom de Jésus. Qu'il soit libéré, totalement libéré. Libéré des oppressions sataniques, des oppressions démoniaques, des oppressions venant des hommes. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que les portes de la justice s'ouvrent pour une personne ce matin. Que les portes de la justice s'ouvrent pour une personne ce matin. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ouvre, mon Dieu, mon roi, les portes de la gloire. Les portes de la gloire. Là où il y a le déshonneur dans la vie d'une personne. Là où il y a le déshonneur dans la vie d'une femme. Là où il y a le déshonneur dans la vie d'un homme. Que tu puisses ouvrir, Seigneur, les portes. Les portes de la gloire. Les portes de la gloire. Car la Bible me dit, Seigneur, oui, Seigneur, de la poussière, tu retires le pauvre. Retire une personne de la poussière dans laquelle on l'a mis. Retire une personne, Seigneur, ce matin, de la poussière de la pauvreté. Retire une personne ce matin de la poussière de l'injustice. Retire une personne ce matin de la poussière, Seigneur, mon Dieu, mon roi, du déshonneur. Retire une personne ce matin de la poussière, Seigneur, de la pauvreté. Retire une personne ce matin de la poussière de la stérilité. Retire une personne ce matin de la poussière, Seigneur, du célibat chronique. Seigneur, qui a été, Seigneur, de gloire à cause d'une malédiction humaine. Oh, retire une personne ce matin de la poussière, Seigneur, du dénigrement.
Retire une personne ce matin de la poussière de l'injustice au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Relève une personne, Seigneur. Relève une personne. La Bible me dit que du fumier, Seigneur, tu relèves l'indigent. Oh Seigneur, relève une personne ce matin. Relève une personne ce matin, Seigneur, de son fumier. Du fumier, Seigneur, de la maladie. Du fumier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh papa, des angoisses. Relève une personne du fumier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de la malédiction. Au nom de Jésus, relève une personne. Relève une personne. Rétablis les choses. Rétablis les choses. C'est pour cela que nous disons ce matin, Seigneur, ouvre les portes. Ouvre les portes, Seigneur, de la gloire ce matin. Ouvre les portes de la justice. Ouvre les portes de la justice. Ouvre les portes de la justice. Que les portes de la justice s'ouvrent pour une personne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quand tu ouvres les portes de la justice, Seigneur, la guérison arrive. La guérison arrive à grands pas. Quand tu ouvres les portes de la justice, Seigneur, ô Éternel, ô Seigneur, tu fais justice. Tu fais justice. Les ennemis sont confus. Les ennemis sont confus, Seigneur. Ceux qui veulent à notre vie sont confus dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur, et ouvre les portes de la justice. Ouvre les portes de la gloire. Oui, Seigneur, change la situation d'une personne ce matin. Change la situation d'une personne ce matin. L'injustice, là où l'ennemi, Seigneur, a semé le divorce, la séparation, la destruction des familles. Oh, Seigneur, ouvre les portes de la justice ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Je prie pour ma sœur. Je prie pour mon frère. Dans le nom de Jésus, là où l'ennemi, Seigneur, a imposé, infligé une maladie dans la vie d'une personne connectée maintenant, dans la vie d'une personne qui suit, Seigneur, cette vidéo. Oh Seigneur, que les portes de la justice s'ouvrent maintenant et que la guérison, Seigneur, vienne promptement et que la guérison, Seigneur, se manifeste et que la guérison, Seigneur, vienne dans le corps de cette personne. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que la vie Zoé puisse couler, que la vie Zoé puisse couler, que la vie Zoé puisse couler. Au nom de Jésus, que la vie Zoé puisse couler ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus, que la vie Zoé puisse couler ce matin. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le psaume 17 au verset 15, la Bible dit ceci. Pour moi, dans mon innocence, alléluia, je verrai ta face. Alléluia. Celui qui est innocent voit toujours la face de Dieu. Alléluia. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Alléluia. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Est-ce que quelqu'un peut écrire, je veux me rassasier de ton image. Je veux me rassasier de ton image. Je veux me rassasier de ton image ce matin. Parce que David dit, pour moi, dans mon innocence, alléluia, je verrai ta face. Alléluia. Oh, dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Bien-aimé, tu vas prier ce matin et tu vas dire, Seigneur, je veux me rassasier de ton image. Alléluia. Je veux me rassasier de ton image. Je veux me rassasier de ton image. Car j'ai faim de toi. Car j'ai soif de toi. Je veux me rassasier de ton image. Je veux me rassasier. En fait, ici, quand il dit, je me rassasierai de ton image, c'est-à-dire, il va voir la gloire de Dieu dans toutes ses dimensions. Il va voir ce que Dieu va faire dans sa vie. Il va voir la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. Il va voir la délivrance de Dieu dans toutes les formes du terme. Alléluia. Oh Seigneur, tu vas dire ce matin, Seigneur, je veux me rassasier de ton image ce matin. Seigneur, je veux voir ta face ce matin. En cette journée, je veux voir ta face. Je veux voir ta face. Manifeste-toi dans ma vie. Seigneur, fais-moi voir ta face. Fais-moi voir ta gloire. Tu vas dire comme Moïse, Père, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire en cette journée. Alléluia. Prie le Seigneur avec moi. Alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Oh pour moi Seigneur, ce matin Seigneur, je prie. Oui Seigneur, je déclare que je verrai ta face. Je déclare que je verrai ta face. Comme David. David a dit, dès le réveil, oh, je verrai ta face dès le réveil. Je verrai ta face dès le réveil. Seigneur, je déclare que je vais voir ta face. En cette journée, je vais voir ta gloire. Je vais voir ta face, Seigneur. Oui, je verrai ta face, ta gloire dans la vie de mes enfants. Je vais voir ta gloire dans la vie de mon couple. Je vais voir ta gloire dans la vie, Seigneur, mon Dieu, dans ma vie professionnelle. Je vais voir ta
gloire dans ma vie mentale. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire dans ma vie, Seigneur, financière. Je veux voir ta gloire dans ma vie spirituelle. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je dis comme David. David a dit, je verrai ta face dès le réveil. Oh Yahweh, sois béni, Seigneur, car dès le réveil, tu nous fais voir ta gloire. Dès le réveil, tu nous fais voir ta face. Le fait que nous sommes debout et que nous sommes réveillés et que nous avons marché, nous avons vu ta face. Nous avons vu ta gloire, car cela ne vient pas de nous, mais cela vient de ta grâce. Nous te bénissons ce matin. Nous te louons ce matin, Seigneur. Je me rassasierai de ton image. Oh Seigneur, je déclare en cette journée, Seigneur, que je veux me rassasier de ton image. Je veux me rassasier de ta gloire. Je veux me rassasier de tes miracles. Je veux me rassasier de ta main, Seigneur. Tu ne me délaisseras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Mais tu me feras voir ta gloire. Tu me feras voir ta gloire. Dans le nom de Jésus. 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 Oh Seigneur, nous sommes désireux de toi. Nous sommes désireux, Seigneur, de te servir de tout cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Nous sommes désireux, Seigneur, de te chercher de tout notre cœur, Seigneur. Oh, merci. Merci, Seigneur, car tu te fais voir. Merci, car tu nous rassasies de ton image. Merci, car, Seigneur, tu nous fais voir ta face. Que toute la gloire te revienne ce matin. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Nous sommes insatisfaits à la dimension à laquelle nous sommes ce matin. Nous voulons que tu puisses encore nous remplir. Que tu puisses nous emmener dans les eaux profondes. Que tu puisses nous emmener dans les eaux profondes de ta connaissance. Que tu puisses nous emmener dans les eaux profondes de ta vérité. Que tu puisses nous emmener dans les eaux profondes de ta gloire. Oui, Seigneur, nous sommes insatisfaits ce matin. Nous sommes insatisfaits ce matin. Nous avons faim et soif de toi. Nous avons faim et soif de toi. Oh, Seigneur, oui, rassasie-nous de ton image. Rassasie une personne de ton image. Viens rassasier une personne de ta guérison. Viens rassasier une personne, Seigneur, de ta restauration. Oui, restaure la vie d'une personne ce matin et qu'elle soit rassasiée de toi. Qu'elle soit rassasiée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, rassasie une personne de toi. Rassasie une personne de toi. Le psalmiste a dit, pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Oui, Seigneur, alors que nous avons faim et soif de toi. Seigneur, rassasie-nous de ton image. Rassasie-nous de ta grâce. Rassasie-nous de ta main. Seigneur, que ta main puisse nous rassasier. Que ta main puisse nous toucher. Que ta main puisse nous transformer. Que ta main puisse nous changer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi, Adonai. Lève-toi, le roi de gloire. Oui, Seigneur. Oh, lève-toi, Seigneur. Nous avons faim et soif de toi. Nous avons faim et soif de toi. Nous avons faim et soif de toi. Lève-toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit aussi. La Bible dit dans le Proverbe 26, dans le livre de Proverbes. Proverbe 26 au verset 20. Proverbe 26 au verset 20, il est écrit. Faute de bois, le feu s'éteint. Alléluia. Faute de bois, le feu s'éteint. Bien-aimé, nous nous arrêtons là. Au point A, faute de bois, le feu s'éteint. C'est pour cela, si tu n'as pas le Saint-Esprit, le feu aussi s'éteint. Tu as besoin du Saint-Esprit pour avoir ce feu, pour avoir ce zèle, pour avoir cette faim, pour avoir cette soif. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela, bien-aimé, nous allons encore invoquer le Saint-Esprit. Tu vas encore dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ranime encore, rallume encore le feu en moi, afin que la faim et la soif puisse toujours être là. Alléluia. Que je ne sois jamais satisfait. Que je sois un éternel insatisfait. Que je sois une éternelle insatisfaite. Alléluia. Tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, rallume encore, rallume encore, rallume encore. Alléluia. Que je sois toujours ce bois qui a besoin du feu. Que je sois toujours ce bois qui a besoin du feu. Car ici on dit, faute de bois, le feu s'éteint. Alléluia. Quand tu n'es plus un bois, quand tu n'es plus un bois, il n'y a plus de feu. Quand tu n'es plus un bois, tu n'as plus soif. Quand tu n'es plus un bois, tu n'as plus faim. Alléluia. Parce que le bois se nourrit du feu. Alléluia. Le feu vient et commence à consumer le bois. Le feu vient et commence à consumer le bois. C'est pour cela ce matin, bien-aimé, tu vas encore invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse encore ranimer la flamme qui est en toi. Que le Saint-Esprit puisse encore rallumer le feu. Alléluia. Et que tu puisses toujours avoir faim et soif
soif de la justice de Dieu. Prions le Seigneur et invoquons le Saint-Esprit. Alléluia, ô Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invoquons ce matin. Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin. Saint-Esprit, viens. Nous avons faim et soif de toi encore. Alléluia. Saint-Esprit, la Bible me dit, faute de bois, le feu s'éteint. Saint-Esprit, que jamais je sois satisfait. Que jamais je puisse être ce bois qui n'a pas besoin de feu. Oh Saint-Esprit, viens encore, que tu puisses encore ranimer la soif, que tu puisses encore ranimer la faim de la justice, afin que je sois tout le temps rassasié, afin que je sois tout le temps rempli, afin que je sois tout le temps nourri. Saint-Esprit, viens rallumer la flamme. Saint-Esprit, viens ranimer la flamme dans ma vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je refuse d'être satisfait, je refuse d'être satisfait. Oh Saint-Esprit, viens rallumer la flamme. Viens ranimer la flamme. Viens ranimer la flamme. La flamme de la soif de Dieu. La flamme de la soif de la justice. La flamme de la soif de la méditation. La flamme de la soif de Christ. Saint-Esprit, viens. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Viens dans mon âme. Viens me ranimer. Viens rallumer le feu. Alléluia. Ce feu que tu as mis en moi. Ce feu que tu as mis en moi. Saint-Esprit, viens rallumer le feu. Si ce feu était éteint, viens le rallumer afin que je puisse encore avoir faim et soif de la justice de Dieu. Afin que je puisse encore avoir faim et soif de la justice de Dieu. Saint-Esprit, viens rallumer le feu. Saint-Esprit, viens ranimer le feu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Viens Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, oh viens Saint-Esprit, une âme a besoin de toi ce matin, viens Saint-Esprit, une sœur a besoin de toi ce matin, viens Saint-Esprit, un frère a besoin de toi ce matin, viens rallumer le feu, viens ranimer le feu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ce matin, lève-toi Seigneur, oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous sommes désireux de toi, nous avons besoin de toi, viens rallumer la flamme dans nos cœurs, la flamme dans nos vies, la flamme dans tout notre être, que nous puissions brûler de faim, que nous puissions brûler de soif de la justice de Dieu, dans le nom de Jésus, que nous puissions brûler de faim et de soif de la méditation de la parole de Dieu, que nous puissions brûler de faim et de soif de Christ, alléluia, oui Seigneur, merci, car la Bible nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire, oui, nous avons besoin de toi, Christ, dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, que jamais la soif nous quitte, que jamais la faim nous quitte, mais que nous puissions être des perpétuels insatisfaits de Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare dans Ésaïe 66 au verset 11. Il est écrit, « Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. » Alléluia. Waouh, quelle parole. « Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations. » Il y a ce qu'on appelle les laits, alléluia, le lait des consolations de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut écrire « le lait des consolations de Dieu ?» Je veux être rassasié du lait des consolations de Dieu. Le lait, alléluia, le lait de ses consolations. Alléluia. « Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations. » Afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Bien-aimé, ce matin, tu vas dire ce matin, oh Seigneur, rassasie-moi du lait de tes consolations. Rassasie-moi. En fait, quand on parle du lait de ses consolations, c'est quand l'Éternel vient répondre à tes attentes. C'est quand l'Éternel vient faire quelque chose que tu attendais depuis longtemps dans ta vie. Il vient te consoler. C'est quand le Seigneur vient se manifester dans ta vie. C'est ce qu'on appelle le lait de ses consolations. En fait, il vient te rassasier. En fait, il vient enlever ta soif. Là où tu étais affamé, il vient te nourrir. Là où tu étais assoiffé, il vient te désaltérer. Alléluia. Prions le Seigneur
ce matin, en fonction de ce verset. Alléluia, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, je prie ce matin. Je prie ce matin, Seigneur, que tu puisses nous nourrir. Nourris-nous, Seigneur. Nourris-nous et rassasie-nous du lait de tes consolations. Le lait de tes consolations. Oui, Seigneur, dans la Bible, je vois comment tu as dit, Seigneur, aux enfants d'Israël, que tu allais les emmener dans le pays où coule le lait et le miel. En fait, c'était le pays de la consolation. Le pays, Seigneur, où ils allaient voir le bonheur. Oui, Seigneur, je prie. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous rassasier. Nous rassasier du lait de tes consolations. Seigneur, bénis une personne. Là où, Seigneur, la vie est difficile. Là où les larmes sont en train de couler. Là où, Seigneur, les pleurs fusent. Là où, Seigneur, les injustices sont en train de se lever. Là où, Seigneur, mon Dieu, la maladie est en train de ronger le corps. Là où, Seigneur, mon Dieu, la vie est en train, Seigneur, de faire pleurer une personne. Que tu puisses te lever et que tes consolations puissent rassasier une personne. Rassasie une personne, Seigneur, du lait de tes consolations. Rassasie une personne du lait de tes consolations au nom de Jésus. Lève-toi, Seigneur. Oui, tu as dit par Esaïe, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Oui, Seigneur, nous voulons savourer la plénitude de ta gloire. Nous disons comme Moïse, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire dans ma famille. Fais-moi voir ta gloire dans ma maison. Fais-moi voir ta gloire dans la vie de mes enfants. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, dans la vie, dans ma vie professionnelle. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, dans ma vie relationnelle avec les autres. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, dans tous les domaines de ma vie. Viens restaurer ma vie et que je sois nourri du lait de tes consolations. Au nom de Jésus, le lait de tes consolations. Que, Seigneur, les miracles puissent accompagner ma vie. Ce sont les laits de tes consolations. Que, Seigneur, la grâce, le bonheur, Seigneur, que puisse accompagner ma vie. C'est là le lait de tes consolations. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Rassasie-nous. Nourris-nous. Rassasie-nous, Seigneur, du lait de tes consolations. Dans le nom de Jésus. 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 Rassasie une personne du lait de tes consolations. Rassasie une personne du lait de tes consolations. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi, Seigneur, dans la vie de ma sœur qui pleure. Lève-toi, Seigneur, dans la vie de mon frère. Oh, Seigneur, ceux qui sont à l'hôpital, cloués dans les lits, Seigneur, cloués à cause de la maladie, ceux qui sont dans le coma, ceux qui ont fait des AVC. Seigneur, lève-toi et que le lait de ta consolation puisse les rassasier, que le miracle arrive. Oh, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, que tu puisses guérir. Guéris mes frères qui sont à l'hôpital. Guéris, Seigneur, nos enfants qui sont à l'hôpital. Lève-toi et agis, Seigneur. Que, Seigneur, le lait de tes consolations puisse venir ramener la guérison au nom de Jésus, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Oui, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons savourer avec bonheur la plénitude de ta gloire. Oui, Seigneur, tu ne nous as pas emmenés sur la terre pour souffrir. Non, nous souffrons pour un temps. Mais Seigneur, après quoi tu viens nous sauver? Après quoi tu viens nous délivrer? Après quoi tu viens nous sortir, Seigneur, de la peine? Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Et délivre mon frère, Seigneur, qui pleure. Délivre ma sœur qui pleure. Délivre, Seigneur. Délivre. Délivre ceux qui sont malades. Ceux qui ont fait des AVC. Que tu puisses les restaurer. Que tu puisses les rétablir au nom de Jésus. Ceux qui sont malades de cancer, que tu puisses les guérir complètement et totalement dans le nom de Jésus. Ceux qui font le diabète, que tu puisses les guérir totalement et complètement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, car Seigneur, c'est toi qui nous nourris et qui nous rassasie du lait de tes consolations dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous avons faim et soif de toi ce matin. Nourris-nous, Seigneur. Rassasie-nous ce matin du lait de tes consolations. Du lait de tes consolations. Alors nous allons savourer avec bonheur la plénitude de ta gloire, la plénitude de ta gloire. Que ta gloire soit notre partage. Que ta gloire soit notre partage. Oui, Seigneur, quand ta gloire vient, nous sommes transformés. Quand ta gloire vient, nous sommes délivrés. Quand ta gloire vient, nous sommes changés. Quand ta gloire vient, nous sommes challengés. Quand ta gloire vient, nous sommes étirés. Quand ta gloire vient, nous sommes restaurés. Quand ta gloire vient, nous sommes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, redressés. Ce qui était courbé devient redressé. Quand ta gloire vient, ce qui était mort, Seigneur, retrouve la vie. Quand ta gloire vient, ce qui était, Seigneur, cassé, redevient, Seigneur, restauré. Quand ta gloire vient, ce qui était rejeté, retrouve sa valeur. Quand ta gloire vient, ce qui était, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cassé, ce qui était brisé, Seigneur, mon Dieu, est restauré. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, afin que là où il y avait des brisures, que cela soit maintenant
collé, que cela soit maintenant restauré dans le nom de Jésus. Nous voulons voir ta gloire, afin que, Seigneur, la mèche qui allait s'éteindre puisse retrouver la flamme, puisse encore brûler dans le nom de Jésus. Nous voulons voir ta gloire, afin que, Seigneur, celui qui était ciment, qui était un roseau agité, puisse devenir pierre. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, afin que celui qui était Saul, qui persécutait tes enfants, puisse devenir Paul. Nous voulons voir ta gloire, afin que, Seigneur, nous puissions être changés, transformés, afin que nous puissions quitter notre état pour passer à un autre état. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. C'est toi qui changes les gens, c'est toi qui changes les cœurs, c'est toi qui changes, Seigneur, les pensées, c'est toi qui renouvelles les personnes. Tu es Dieu, tu fais des miracles, tu guéris les maladies, c'est toi qui guéris les maladies, c'est toi qui redresses ceux qui sont courbés, c'est toi qui restaures les vies qui sont cassées, c'est toi qui restaures les âmes qui sont brisées, c'est toi qui guéris les âmes blessées, c'est toi, Seigneur, qui fais des miracles. Oui, Seigneur, nous voulons être rassasiés ce matin, nous voulons être nourris et rassasiés du lait de tes consolations, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, alors que nous sommes en train de continuer de prier. Alléluia. Dans Jean, dans l'évangile de Jean 4, verset 14, le Seigneur Jésus a dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Alléluia. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Bien-aimé, sois un perpétuel assoiffé de Dieu. Alléluia. Afin que cette eau puisse toujours jaillir en toi. Afin que cette eau puisse vraiment ne jamais sécher. Que cette eau puisse toujours jaillir, car elle jaillira jusque dans la vie éternelle. Oh, alléluia. Afin que cette eau soit en toi une source d'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alléluia. Tu vas dire ce matin, Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de ton eau, l'eau de vie ce matin. Cette eau, Seigneur, qui va, Seigneur, devenir en moi une source d'eau et qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Fais-moi boire de ton eau. Alléluia. L'eau de la restauration, l'eau de la transformation, l'eau de la guérison, l'eau de la délivrance. Alléluia. L'eau de la grâce. Demande au Seigneur de te faire boire de son eau ce matin. Prie le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, je prie ce matin que tu puisses nous faire boire de ton eau, Seigneur. Nous voulons boire de cette eau, Seigneur, que le monde ne peut donner, cette eau, Seigneur, que la terre ne peut donner, mais cette eau qui vient de toi, car si je bois, quand je bois l'eau de ce monde, j'ai encore soif, mais sans ton eau, Seigneur, quand toi tu donnes ton eau, nous n'aurons plus jamais soif. Oui, Seigneur, donne-nous de ton eau, car tu dis, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Seigneur, fais boire de ton eau à une personne ce matin. Oh, fais boire de ton eau, Seigneur, l'eau de la guérison, l'eau de la délivrance. Oui, Seigneur, l'eau qui change nos vies, l'eau qui donne, Seigneur, oh Père, la grâce, l'eau, Seigneur, mon Dieu, moi, qui transforme, Seigneur, nos pensées. Fais-nous boire de cette eau. Fais-nous boire de cette eau ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes assoiffés, nous sommes désireux, nous sommes, Seigneur, mon Dieu, moi, prêts à boire cette eau. Nous voulons boire cette eau, Seigneur. Fais-nous boire de cette eau qui va transformer encore nos cœurs, cette eau qui va transformer encore nos pensées, cette eau qui va encore restaurer nos vies, cette eau qui va encore changer nos vies, dans le nom de Jésus. L'eau de vie, alléluia. Nous avons faim et soif de toi ce matin. Nous avons faim et soif de toi ce matin. Alléluia. Oh Jésus, nous avons faim et soif de toi ce matin. Tu dis dans ta parole, Seigneur, je suis le pain de vie. Oui, Seigneur, ce matin aussi, nous voulons, Seigneur, manger de ce pain. Oui, le pain de la vie. Ce pain, Seigneur, qui quand nous le mangeons, nous ne connaissons pas la mort. Ce pain, Seigneur, qui quand nous le mangeons, Seigneur, nous sommes guéris. Oui, fais-nous manger de ton pain. Fais-nous manger de ton pain. Le pain de vie. Nous désirons le pain de vie. Le pain de vie. Nous avons faim de toi. Faim de ce pain, Seigneur. Ce pain qui transforme toute une vie. Ce pain qui transforme une destinée. Ce pain qui transforme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toute une destinée. Je prie, Seigneur, que nous puissions manger de ce pain ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Je vais prier pour la fin. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire « Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom ce matin. Je te glorifie, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce.
Merci pour ce temps merveilleux que tu nous as encore accordé ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur. Je bénis chaque personne, Seigneur, qui s'est connectée, Seigneur, à cette prière. Je bénis chaque personne, Seigneur, qui a fait cette prière avec sérieux, qui a fait cette prière, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Oui, Père, que tu puisses encore, Seigneur, ouvrir les portes en cette journée. Et que, Seigneur, le bonheur et la grâce puissent nous accompagner en cette journée. Et que, Seigneur, la faveur divine puisse être notre partage. Seigneur, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, que nous ne puissions pas, Seigneur, tomber dans le péché. Que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Mais que nous puissions garder nos âmes et nos cœurs purs, Seigneur. Et que nous puissions garder nos âmes, nos cœurs, nos pensées pures, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et que si tu revenais, Seigneur, que tu puisses nous trouver, Seigneur, dans un état, Seigneur, pur, dans un état propre. Et que tu puisses nous prendre avec toi. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons trois fois Amen. 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 Et Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Et n'hésitez pas à donner votre offrande. N'hésitez pas à donner votre offrande. C'est exactement la même chose, à part que là, c'est en différé. Mais vraiment, faites cette prière de la même manière que vous faites quand nous sommes en direct. Alléluia. Et notre cagnotte donc continue. La cagnotte va s'arrêter le 10 septembre. En tout cas, merci, merci à vous tous qui avez donné. Merci beaucoup. Vous avez donné vraiment énormément. Nous sommes vraiment touchés, le pasteur et moi. Vous avez vraiment donné énormément. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tous vos chèques, pour tous vos Western Union, pour tous vos MoneyGram, pour tous ceux qui donnent en ligne dans la cagnotte, tous ceux qui ont fait des virements aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Que le Seigneur vraiment puisse se souvenir de chacun de vous. Que votre offrande puisse crier devant le Seigneur. Alléluia pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous prions pour vous. Nous avons la liste. Vraiment, que le Seigneur... Je manque même de mots. Je manque de mots. C'est vraiment puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez vraiment donné avec tout votre cœur. Parce que quand nous voyons les montants que les gens donnent, nous disons « Waouh ! » Que le Seigneur soit béni. C'est vraiment... Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre une personne de donner autant ou de donner son argent comme ça pour l'œuvre de Dieu et qui fait confiance que là, c'est l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup pour vous tous qui avez donné de tout votre cœur parce que cela nous dépasse même nous-mêmes. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très, très bientôt. Donc, nous sommes au téléphone aussi à 4h30, nous sommes au téléphone au 09 72 61 93 80 et le code d'accès 10 77. Donc, nous sommes au téléphone à 4h30. Et pour ceux qui ne peuvent pas être au téléphone, vous pouvez déjà voir une vidéo en ligne. Et ceux qui sont au téléphone, dès qu'ils finissent, ils peuvent rattraper la vidéo après. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, à très bientôt. Soyez bénis. Ciao, ciao. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière semeur pour plus d'édification.